internautes du Guépard.net, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril 2015, journée choisie par l'association EGUPEG, une association regroupant les jeunes étudiants guinéens de l'Université Créteil, que j'ai ici avec moi. Je vais laisser la présidente Letty Diallo se présenter, présenter les membres de son association et puis d'autres questions suivront. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Monsieur. Alors, je suis Diallo Essatouneti et je suis la présidente de l'association des jeunes et des étudiants guinéens de l'UPEC, Université Paris-Est Créteil. On est le 9 avril 2015, on organise une journée culturelle pour mettre en valeur la culture guinéenne. Et du coup, je vais vous présenter les membres de l'association, les membres actuels. Je vous présente, je vais commencer par Ibrahim Abari, le secrétaire général. Adraman Diallo, qui est acteur trésorier. On a Ismaël Nabé, qui est le secrétaire général à l'organisation. Les autres, ce sont les membres de l'association. Alors, Madame Diallo, oui. Pouvez-vous nous dire l'objectif même de cette journée culturelle des étudiants de l'Université Créteil? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui vous a amené à organiser cette journée? Tout d'abord, c'est de faire connaître la Guinée, la culture guinéenne, à savoir tout ce qui est danse, art et aussi par la nourriture aussi. C'était de mettre en valeur, de montrer en fait au-delà de la à l'université que la Guinée a des valeurs, de la culture aussi. Et du coup, c'est ce qui nous a amené à organiser cette journée. Alors, nous avons vu des danseuses qui ont fait une prestation extraordinaire. Oui. Certainement, les téléspectateurs ne manqueront pas de voir. Oui. Désormais, après avoir montré ce que vous savez faire, votre existence, quel est l'objectif maintenant de votre association? En fait, l'objectif de l'association, on a plusieurs objectifs. La première, déjà, c'est accueillir les Guinéens, les étudiants guinéens qui viennent en France. Et la deuxième aussi, c'est de contribuer en quelque sorte au développement de la Guinée en matière scolaire, sanitaire, tout dépendra de... Le prochain projet, on a déjà un projet, c'est d'envoyer des livres en Guinée, par exemple. Du coup, ça fait longtemps le projet, il est là, mais... Je pense que cette année, on essaiera de mettre en place, de le réaliser. Si j'ai bien compris, entre autres objectifs, c'est aussi aider les étudiants guinéens par l'envoi des livres et d'autres matériels scolaires. Exactement. Alors, vous avez parlé aussi de l'aide éventuelle que vous pouvez apporter aux étudiants guinéens, si j'ai bien compris. Comment se passe cette aide? Alors, tout ça, en fait, c'est qu'on s'occupe des logements quand les Guinéens arrivent à l'université. L'intégration, le logement, les démarches administratives et tout ce qui est l'orientation au sein de la fac. Un peu de tout, quoi. On aide pas mal de gens. C'est une information qui est très très utile à retenir parce que quand on arrive ici très souvent, on est totalement perdu. Donc je pense que les étudiants qui suivront cette vidéo sauront en tirer profit. Il me semble, selon mes informations, que cette journée ne se limite pas à ce volet culturel que nous allons proposer aux téléspectateurs, mais aussi elle sera clôturée par une conférence animée par un diplomate connu de notre pays. Je pense que M. Camara pourra un peu me parler de ça. Oui, alors tout à fait. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, M. Camara. Moi, je suis Camara Omar, ancien membre du bureau et actuellement membre simple de l'association. Donc, la conférence, comme vous l'avez dit, est le deuxième volet de cette journée culturelle. Et donc on a essayé de choisir en fait un thème qui parle de l'Afrique, parce que la Guinée n'est pas
singulier en Afrique. Et donc la journée culturelle, c'est de mettre en valeur d'abord la culture africaine de par la Guinée. Donc le thème de la conférence qui sera animée par un ancien diplomate guinéen, un ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, en charge des questions africaines du Moyen-Orient et de l'Asie de l'Ouest, et alors qui porte sous le thème le nouveau défi des institutions régionales et sous-régionales africaines. Donc c'est le thème on l'a choisi, c'est de pouvoir en fait embrasser les autres qui ne sont pas forcément guinéens, mais qui sont africains. Donc c'est une conférence qui va débuter à 16h30 pour finir à 19h. Voilà. Si j'ai bien compris, votre conférencier n'a pas été que sous-secrétaire général des Nations Unies, mais il a été aussi premier ministre de son pays. Tout à fait. Tout à fait. En fait, et si je rappelle seulement en fait, que c'est sa fonction aux Nations Unies qui colle un peu au thème. Donc c'est pourquoi j'ai fait un peu abstraction au volet politique. Voilà, au volet politique. Donc c'est ce volet surtout pour lequel on l'a choisi. Voilà, ce n'est pas ses compétences en tant que premier ministre guinéen qui nous a amené en fait, à le choisir. Mais si on l'a choisi, c'est parce que nous voulons partager avec le public français ou les Africains qui sont là, peut-être qu'ils ne le connaissent pas, son expérience en tant que diplomate. Voilà. Alors, Monsieur Camara, honnêtement, nous vous remercions pour votre initiative. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire avant que nous n'offrons non seulement la journée culturelle, très bien animée par des danseuses guinéennes, et ensuite la prestation de Monsieur Lansana Kouyaté, ancien diplomate chevronné, comme vous venez de le dire. Monsieur, si vous avez un mot, vous pouvez vous présenter. Pour dire un dernier mot, je vais juste prendre, ramasser ce qui a été dit précédent. La présidente a essayé d'expliquer en quelque sorte les projets que nous avons dans nos initiatives, mais aussi l'objectif de l'association. On sent qu'en France, quand les Guinéens arrivent, à la différence des autres pays, les gens sont unis, les gens s'associent pour évoluer ensemble. Donc, sur la fac, à Paris 12, on a essayé de créer une structure guinéenne qui va aider les Guinéens à s'aimer entre eux, mais aussi à se tourner vers la Guinée. Donc, c'est un objectif d'intégration, mais un objectif de retour vers la Guinée. Donc, les Guinéens doivent s'unir à Paris 12 pour travailler ensemble et pour évoluer. Donc, c'est un premier objectif. Le second objectif, c'est pour que nous ayons le projet concret qu'on va réaliser en Guinée. Et ça, on l'a commencé déjà par l'envoi des bouquins, mais aussi on envisage même de créer une bibliothèque en Guinée. C'est un rêve que nous avons, qu'on va réaliser certainement. Donc un dernier mot pour dire que nous sommes fiers de cette journée et par nos modestes prestations qu'on a pu avoir, on a montré qu'en Guinée, il n'y a pas que Ebola en ce moment, ou il n'y a pas que des soucis politiques que nous avons en Guinée, on a aussi de la culture, on a aussi de l'art, on a aussi des intellectuels, notamment Kouyaté qui va intervenir aujourd'hui. Donc, Monsieur Kouyaté, je voulais dire. Donc, je veux aussi finir par remercier vous, Monsieur Makanera, pour la communication que vous assurez, pour la divulgation de tout ce que nous avons à Paris 12 ici, parce que c'est grâce à vous que d'autres pourront connaître l'association et aussi savoir s'engager dans d'autres initiatives. Donc merci et à très bientôt certainement pour d'autres projets que nous allons mettre en place. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier parce que le retour des cadres pose un sérieux problème aux pays africains. Si vous pensez déjà à vous atteler à cette problématique, je pense que déjà ça serait une très bonne chose. Monsieur, vous pouvez vous présenter et je vous écoute. Oui, je suis Diallo Ousmane, ancien trésorier de l'association des étudiants guinéens de l'UPEC. En fait, je n'ai pas grand chose à ajouter sur ce qui a été déjà dit. J'ai juste un appel à lancer à l'ensemble des étudiants guinéens qui sont en France. Je les invite à faire comme les étudiants de l'université de Créteil, c'est-à-dire créer des structures accueillantes des étudiants qui viennent de la Guinée, mais aussi de faire en sorte que ces structures puissent accompagner les étudiants qui sont
sur place, c'est-à-dire en Guinée, qui n'ont pas les moyens de se connecter sur Internet, et les permettre à profiter de la nouvelle technologie pour pouvoir suivre des cours qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'ont pas la chance d'avoir sur place. Donc il ne faut pas qu'il y ait juste une association à l'IVC de Créteil. C'est une association qui ne cesse d'évoluer depuis sa création, donc qui peut apporter une valeur ajoutée pour la croissance de la Guinée, que ce soit par la formation de ses fils ou de ses filles. Donc que les étudiants, comme je viens de le dire, de l'ensemble de la France essaient de faire, les démarches ne sont pas aussi compliquées, il suffit de s'y lancer pour voir, et c'est tout à fait possible de le faire. Je vous remercie. Alors, je terminerai par une question à qui voudra répondre. Les associations guinéennes sont connues ici pour avoir des directions inamovibles, c'est-à-dire qui ne changent jamais. On vient de me présenter plusieurs anciens trésoriers, anciens membres. Dans votre élan, je pense que vous êtes imposé à faire en sorte que la direction tourne. Ou bien c'est une erreur de ma part? Oui, c'est un constat qui est réel. Ici, en fait, nous essayons de commencer la base parce que qui parle de développement actuellement parle de démocratie. Il ne faut pas se développer sans la démocratie. Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de la démocratie au sommet de l'État. Donc il faut partir du bas de l'échelle pour pouvoir acquérir ses compétences. Donc ça commence dès maintenant. Pour ça, nous essayons de faire en sorte que tout le monde soit habitué à cela. Alors, il y a une dame qui souhaite prendre la parole. À vous, madame, vous commencez par vous présenter. Alors, moi, je suis Baldi Fatoumata, je suis ancienne secrétaire à l'organisation de l'association ELIPEC. Et c'est juste, en gros, on a tout dit, l'objectif de l'association, pourquoi la journée culturelle. Peut-être si j'ai quelque chose à ajouter, c'est de juste rappeler aux étudiants qui veulent venir poursuivre leurs études ici en France que la vie n'est pas comme eux, ils le pensent là-bas. C'est tout à fait dur au début quand eux, ils arrivent parce que tu ne connais pas comment t'orienter. La vie n'est pas comme chez nous en Guinée. Ici, c'est excessivement cher et tout ça, les étudiants ne le savent pas à l'avance avant de venir. Eux, ils pensent que l'Europe, c'est la vie, enfin, c'est rose et tout. Donc, du coup, je leur dis, c'est très bien, c'est une bonne chose de venir poursuivre les études en France, mais de se préparer conséquemment. D'ailleurs, nous, l'une des objectifs de l'association EDUPEC, c'est d'aider les étudiants et de leur orienter quand eux ils viennent. Parce qu'il y a beaucoup qui arrivent en difficulté, éventuellement ils ne savent pas comment s'organiser et tout. Donc nous, on est là pour les aider. Donc c'est juste pour leur dire que ici, ce n'est pas ce qu'eux ils le pensent, mais bon, quand ils arrivent, on va les aider. Merci beaucoup, madame. Merci. Et je pense qu'on est arrivé à la fin de cet entretien. Il ne nous laisse plus qu'à laisser les téléspectateurs suivre le volet conférence animé par M. Lansana Kouyaté. L'Asie, l'Ouest, le Moyen-Orient, auprès du Conseil de sécurité.
ancien premier ministre de la République de Guinée. Et enfin, c'est une personnalité qui a décidé d'être là, avec beaucoup de personnalités, beaucoup d'étudiants qui espèrent faire la diplomatie dans l'avenir. Pour moi, il a été commandeur de la Légion d'honneur en France. Donc, sur ce, je vais céder la parole à M. Nassanoui. Sous-région, les différentes sous-régions
géographique qui compose cette Afrique. Des défis, il y en a. L'Afrique veut aller à l'intégration. Cela a commencé déjà dans les années 60, si je prends les plus petites organisations d'intégration. Et l'une des toutes premières, c'était l'ANAD, l'accord de non-agression et de défense, qui a été initié par le président Fouet avec 3 ou 4 pays de la sous-région. Et je crois qu'elle vit d'ailleurs toujours. Mais quand généralement on parle d'organisation, on parle des commissions économiques régionales, ce qu'on appelle les CER. On ne les considère pas véritablement comme des organisations d'intégration, alors que c'est totalement faux. Certains experts parlent d'organisation d'intégration en se focalisant sur les organisations monétaires. Je voudrais dès le début faire le distinguo entre les deux, mais ces deux concourent à l'intégration. L'intégration commence par le simple geste de commerce, si on est dans si on va dans ce cadre, même quand ce n'est pas structuré, il faut remonter peut-être jusqu'au 12e siècle en Afrique de l'Ouest, où déjà le commerce se passait du nord au sud. Mais l'intégration dont on parle, c'est l'intégration structurée, basée sur un accord déjà déterminé. Et à ce niveau, le distinguo à faire entre organisation ou communauté économique régionale et organisation ou commission monétaire est bien simple. Les communautés économiques régionales, on en a à peu près une dizaine en Afrique. En Afrique de l'Ouest, vous avez la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDAO. En Afrique australe, vous avez la SADC. La SADC, qui est la communauté de développement de l'Afrique australe. En Afrique orientale, vous avez l'IGAD. C'est l'autorité intergouvernementale pour le développement. Ça va depuis la Corne de l'Afrique, c'est Djibouti, Somalie, et ça descend, n'est-ce pas, jusqu'à Nouvelle. En Afrique centrale, vous avez la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et au nord, vous avez l'UMA, l'Union du Maghreb Unique. Mais chacune de ces organisations est flanquée d'autres organisations. Et je crois, c'est mon avis, en tout cas, le premier défi de ces organisations d'intégration, c'est justement rationaliser ces organisations, qui ne sont pas. Ce sont du côté du CER, il y en a d'autres que je n'ai pas cités, parce qu'en Afrique de l'Est, vous avez aussi le AC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui est différente, n'est-ce pas, de l'IGAD. En Afrique centrale, vous avez la CEAC, rubrique de la CDAO en Afrique centrale, mais vous avez la CEMAC, la Commission monétaire de l'Afrique centrale. Tout comme en Afrique de l'Ouest, vous avez la CDAO, mais vous avez l'UEMOA, qui est l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Si je m'amuse, je ne sais pas s'il y a un peu plus de clair, à vous dessiner un chemin commun. Des
organisation, peut-être que ça ressemblera beaucoup plus à des signes zodiacaux qu'à des organisations bien différenciées les unes des autres. Prenons la CDAO. Elle va, avant d'aller jusqu'à la Mauritanie a quitté dans les années 90 pour une raison bien simple. Dès que la CDAO a adopté son programme de prévention des conflits, alors qu'en Somalie, je veux dire Somalie, en Mauritanie, il y avait cette tension entre la partie arabo-berbère et la partie noire, ils ont pensé que adhérer à cette convention de prévention des conflits allait un jour amener la CDAO à intervenir en Mauritanie. C'est la raison pour laquelle la Mauritanie a quitté. C'était sous le président Boutaya. Je me suis ramené là-bas personnellement, en une des conseillères, ils n'ont pas quitté. Et que dans une communauté, il y a des traités auxquels les pays peuvent dire je n'adhère pas à ce traité. C'est le cas qu'après. Donc la Constitution ne permet pas de signer des accords militaires. Donc tous ceux qui peuvent être militaires, parce que le Cap-Vert n'est pas concerné. Et le Cap-Vert n'a pas signé le protocole concernant, n'est-ce pas, cette prévention, ce mécanisme de prévention des conflits. J'ai conseillé la même chose au président Montaigne. Et vous voyez l'ironie du sort. Il était en voyage quand il a été renversé. Sa première destination a été Niamey, dont le président Tandja Mamadou était le président d'exercice de la CDAO. Pour lui demander l'intervention de la CDAO pour le remettre à sa place. C'est vraiment une solution. Il a oublié tout ce qu'on a fait comme effort pour qu'il ne quitte pas. Donc, la CDAO peut être dessinée à peu près comme ça. À peu près. Ça comprend 15 pays. Le plus grand en nombre, en superficie, étant le Nigeria. Mais dans cet ensemble-là, où vous avez des pays, un seul pays, tel que le Mali, c'est 1 400 000 km² du nord au sud. Ici, c'est l'organisation de la CDAO. À l'intérieur de cette organisation, essayons de dessiner le monde qui se présenterait à peu près comme ça. Lui au moins qui comprend 8 pays qui ont en partage le franc CFA. Contenant contenu. C'est bien des programmes à faire. Continuons. Humain, c'est à peu près ça. L'Union du Maghreb arabe. Vous avez ici donc CEPAO. Vous avez vu au loin. Et continuons toujours. L'une des dernières lignes des organisations, c'est la CINSAD. CINSAD, la commission sahélo-sahélienne, créée par le guide de la révolution de Niamey, paix à son âme. Cette CINSAD-là, on peut la dessiner comme ça. Ça touche presque toutes les régions. Ça touche presque toutes les régions.
premiers membres de la CEDEAO ont immédiatement adhéré à la CINSAC. Les pays de l'Union européenne ont adhéré à la CINSAC. Ça comprend ça parce qu'il y a les pays aussi de l'Afrique centrale qui font partie. Il y a les pays de l'Afrique de l'Est. Et les Comores font partie de la CINSAC. Alors que ça peut être passé quelque part ici. N'est-ce pas? Donc, si vous savez, ça fait ça. En Afrique centrale, vous avez la CEAC. Vous avez la CEMAC, qui est comme ici, composée des États qui sont membres là, c'est la CEMAC. Parce que ici, il s'agit de l'Union monétaire, pour moi, simplement. Mais, en dehors de tout ça, vous avez la COMESA. La COMESA qui va de l'Australie à l'Orient. C'est, si vous voulez, un marché commun pour l'Afrique australe et l'Afrique orientale. Donc, je peux faire ça comme ça. Et remonter juste ici, comme ça. La SADC, certains pays membres de la SADC sont membres de la COMESA. Certains pays membres de la CEAC sont membres de la COMESA. Il y a en plus la Commission de l'Océan Indien qui regroupe tous les pays qui sont dans l'Océan Indien. Alors, comprenez-vous quelque chose de ça? Difficile. C'est pourquoi je vous parlais de ces outils. Les Africains ont la responsabilité de rationaliser d'abord leurs institutions d'intégration. Tout ce qui est compliqué est difficile à déchiffrer. Il faut simplifier. Pour tant d'organisations. Et c'est, je vous le dis, je suis africain, comme beaucoup d'entre vous. Ce qui encore fait plus mal, c'est qu'il y en a qui ne rentrent dans une organisation. Pas pour autre raison, mais quand la CINSAC a créé, tous ont créé l'argent du pétrole libyen et ils sont rentrés. Je vais poser la question à mes chefs d'État. Mais au moment où on doit rationaliser, pourquoi une organisation qui vient d'être à quoi, qui va embrouiller la situation, pourquoi vous y allez? Ils disent l'argent. Ce n'est pas ça qui va faire de nos organisations d'intégration des organisations sérieuses. Le premier défi pour moi, c'est ça. Comment le rationaliser? C'est un débat qui ne prendra simplement pas fin. Je ne dis pas que chacune de ces organisations n'a pas ses mérites. La CINSAC dont on parle a créé les banques CINSAC qui existent dans nos pays. La Libye, dans le cadre de la CINSAC, a lancé Afria. C'est une compagnie, c'était une compagnie qui donnait les prix les plus imbattables pour les Africains qui venaient jusqu'en Europe. Ce sont des avantages. Mais l'intégration commence par le simple commerce pour aboutir à la fédération. Pourquoi pas? La fédération africaine est notre rêve, notre ambition. Mais chaque fois qu'on a un débat, et l'un des derniers débats les plus épiques, c'était au Ghana, dans le sommet de l'OMIGA. J'ai participé à ce sommet où il y avait ceux qui voulaient qu'on commence par le haut, que j'ai appelé dans un néologisme les hautistes, et ceux qui voulaient qu'on commence par le bas,
qu'elle persiste. Ceux qui ont défendu de réussir l'intégration sous-régionale et créer la dynamique pour aboutir à l'intégration africaine n'avaient pas tort. Ceux qui disaient non, c'est trop de temps perdu, il faut commencer par mettre un gouvernement africain. Ce n'est pas un rêve qui date d'aujourd'hui. Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Modibo Keïta, on peut continuer à citer. On oublie un parfois. C'est Barthélemy Bokana d'Afrique centrale. Le pays qui s'appelle aujourd'hui l'Afrique centrale, ce n'était pas ce pays qui devait s'appeler l'Afrique centrale. Et Bokana a créé l'Afrique centrale. Et ça devait aller depuis le Tchad jusqu'à l'Afrique, ce qu'il appelait l'Afrique latine. C'était ça, sa mission. Mais où est la Fondation du Mali? Elle a disparu avec la Tchad. Guinée-Ghana-Mali, disparu. Toutes les tentatives qui ont eu lieu ont disparu. Le fait est que on n'a pas tiré les leçons. On est dans un défi. Ce défi de volonté, d'abord, il faut le relever. Parce que je vous assure, quand vous assistez au sommet, à des sommets de chef d'État, vous êtes surpris. Parmi toutes les interventions qu'il y a eu à Accra, j'ai eu une intervention à Crédit. Monsieur le chef d'État, débattez de commencer par le haut ou de commencer par le bas. Mais moi, qui ai fait l'intégration, parce que j'ai été quand même secrétaire exécutif de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Commencer par le haut, commencer par le bas, ça aboutira au même résultat si vous n'appliquez pas les décisions politiques. À quoi ça sert? Depuis 75, la CEDEAO a été créée. 75. Elle a beaucoup fait, c'est certain, parce que c'est l'une des rares organisation sous-régionale qui a un passeport commun, passeport CEDEAO. C'est une des rares organisations qui a aujourd'hui le lien direct, qui a commencé à prendre ses responsabilités par Afan, Ghana, Togo, deux pays, même pas séparés, parce que la frontière se trouve à Lomé, dans la capitale togolaise. La capitale, la frontière entre le Ghana et le Togo se trouve dans la capitale togolaise. C'est lié à l'histoire. C'est pas la peine de revenir sur tout ça. Mais toutes les décisions qui ont été prises, adoptées par protocole ou par convention, ou par traité à plus de 52, depuis 1975, si toutes ces décisions avaient été appliquées, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Malgré tout ce que la CEDEAO a fait, les visas sont abolis entre nos pays. Quand je l'ai suggéré aux autres organisations régionales, c'était au Caire. Certains petits pays d'Afrique centrale, les puissants, ont dit non, nous serons en vrai. J'ai dit non. C'est la liberté de mouvement qui fait que vous n'êtes pas envoyé. Tant qu'il y a des faux frontières, vous serez envoyé. Le jour où il n'y en aura plus, vous ne serez plus envoyé. Parce que la vertu de l'intégration, c'est de créer la richesse, l'harmonie entre les pays. Est-ce que aujourd'hui, vous qui vivez ici, en France, vous avez le sentiment que le nombre de Portugais, le nombre d'Espagnols qui travaillent ici, vous pensez que c'est le même nombre qu'aujourd'hui? Vous serez retourné à la faveur de l'intégration européenne parce que ces pays ont pris leur envol. Quand j'arrivais, j'étais dans les hôtels, je voyais que les domestiques espagnols ou portugais, pour la plupart, mais aujourd'hui, cela n'est pas. Dès lors que l'ensemble prend le sort économique,
les populations ont tendance à repartir. Là, c'est le phénomène de la Chine aujourd'hui. Beaucoup de Chinois de l'Europe sont en train de repartir. Hein. Contrairement à ce qu'on croit, le reflux a commencé. C'est au nom du développement de la Chine. Donc, le premier défi qui est d'hier, qui est d'aujourd'hui, c'est d'abord l'harmonisation de toutes ces organisations pour qu'il y ait une visibilité. Pourquoi intégrer, harmoniser? Pourquoi rationaliser? Parce que sur les pays de la CEDEAO, qui sont donc membres de la CEDEAO, qui répondent à des critères de convergence dans le domaine économique et monétaire, seront obligés d'appliquer d'autres programmes dans le cadre de la CINSAT qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes repères. Quand on appartient à deux organisations, à trois organisations, qui n'ont pas les mêmes rationalités, alors ça veut dire qu'on s'installe, n'est-ce pas, dans le même accord que vous. Vous appartenez à une organisation, vous payez vos cotisations. À deux, vous payez vos cotisations. Dans trois, vous payez vos cotisations. Même la vérité est que les cotisations, justement, ne sont pas payées. Dans beaucoup de cas. Et en la matière, lui au moins, et la CEDEAO ont révolutionné. Parce que c'était après mon arrivée que j'ai constaté qu'il y avait des pays qui avaient au moins 12 ans, 15 ans d'arrivée, sans rien payer. Alors, nous avons dit de mettre ce qu'on appelle un prélèvement communautaire, une taxe de 0,5% sur toute importation que ferait un pays tiers de la CEDEAO vers un pays de la CEDEAO. Le Sénégal doit importer de France. La fiscalité de porte qui était déjà là doit être augmentée de 0,50. Les 0,50 appartenant à la CEDEAO. Ce n'est pas intégré au budget du Sénégal. Donc, pas de pression sur les budgets. C'est maintenant les importateurs de vos pays qui importent d'ailleurs qui vont payer les 0,50%. La CEDEAO a ouvert un compte dans toutes les banques centrales et avec des équipes mises en place au niveau des douanes pour vérifier que les importations qui viennent de ces pays, des pays extérieurs, parce qu'on a la libre circulation des biens et des services à l'intérieur de la CEDEAO, non seulement il n'y a pas de visa, il y a le droit d'établissement. Un Nigérian peut quitter et s'installer là où il veut pour faire ses affaires. Et c'est comme ça pour tous les pays. À l'heure actuelle, en Afrique de l'Ouest, on peut marcher même avec une simple carte d'identité. Si vous n'avez pas de passeport, n'hésitez pas à prendre votre carte d'identité et voyager. C'est beaucoup. Mais c'est encore peu par rapport aux ambitions. Les autres régions, la SADC a fait un travail formidable malgré l'existence d'un complexe là-bas qui est reculant. Et je me tiens des plus hautes autorités, n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud. Parce que c'est quand un pays est trop prépondérant dans une organisation communautaire, les autres s'en défient. L'enquête que la CEDEAO a menée au sein de la SADC, il est apparu que les pays qui se croient petits ont peur d'être envahis par les produits sud-africains. Parce que l'Afrique du Sud n'a plus d'industrie. Quand à une réunion, le président Thabo Mbeki l'a évoqué, je lui ai dit que c'est un problème tellement simple qu'on n'a pas besoin vraiment de considérer ça comme éventuellement ça. Si le Mozambique se méfie de vos produits, Monsieur le Président, c'est des produits dont ils se méfient. L'usine qu'ils fabriquent
allaient implanter le Zélan. Ainsi, vous n'allez pas tuer un commerce, une industrie par le commerce. À supposer que eux produisent du jus de fruits, mais que vous exportez vos jus de fruits, malgré les frais de transport, malgré les frais de douane, vos jus de fruits risquent de coûter moins cher que le jus local. Parce que ce n'est pas la même technologie, ce n'est pas la même productivité. Ça veut dire que votre commerce va tuer dans l'industrie. Mais si vous avez une branche de votre industrie qui emploie, qui est là-bas, qui emploie la main d'œuvre locale, ils n'ont pas à se prendre. Et cela existe un peu partout. Vis-à-vis du Nigeria, vous le savez, en Afrique de l'Ouest, entre l'Afrique centrale, le Cameroun et d'autres pays de la sous-région se regardent en chaîne de faïence dans la même organisation d'intégration. Donc il faut rationaliser ça. C'est le premier défi, mes chers frères. D'autres défis, vous avez la stabilité, la paix. Pendant la guerre froide, la bipolarisation Est-Ouest, il est clair que des crises étaient contenues. On ne savait même pas parfois l'existence de certaines crises. Parce que les puissances tutélaires, qu'il s'agisse de l'Occident ou de l'Union soviétique, veillaient à ce que dans les pays qu'ils contrôlaient, que ces crises n'éclatassent pour créer les problèmes qui sont créés aujourd'hui. L'Érythrée et l'Éthiopie n'allaient jamais en venir à la guerre pendant la guerre froide. Parce que la puissance qu'ils contrôlaient, c'était l'Union soviétique. Aujourd'hui, ces pays sont en guerre. Mais au total, en matière de crise, quand on parle de la guerre froide, il n'y avait plus de guerre inter-État que de guerre intra-État. Le grand diplomate a prédit une période de paix, de tranquillité après la guerre froide. Même ça s'est avéré faux. Parce que les guerres sont devenues, au lieu d'être entre États, c'est devenu maintenant à l'intérieur des États. Tout concourt à ça. L'ethnicisation des débats politiques, le régionalisme, la misère économique, la délimitation impropre du temps colonial. Les exemples sont là. Entre la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Libéria, les Manon de Guinée, c'est la même chose que les Guillou du Libéria, et c'est la même chose que les Yacouba de Côte d'Ivoire. Trois, une même ethnie partagée entre trois pays. Quand un pays est en guerre, ça contamine l'autre. Pas sur les ethnies similaires. Mais c'est une histoire qu'on doit assumer. Je crois que, ayant perdu trop de temps, on est maintenant sous l'exigence, n'est-ce pas, imposée même par l'université. Et il faut conclure, il faut faire tout ça là en 20 minutes. C'est dommage, parce qu'il y a beaucoup à dire quant au défi. Les conflits ont changé de nature, comme vous le savez. Donc, de ces conflits qui pouvaient être la conséquence de la différence de régime qui mettait à mal les pays qui n'avaient pas choisi le même régime, la Côte d'Ivoire et la Guinée ont failli en venir à la guerre à un moment donné. Mais
mais les puissances aussi tutélaires étaient là. On peut citer beaucoup de cas comme ça. Et aujourd'hui, c'est un autre défi, puisque je ne peux pas être là sans vous parler d'islamisme ou de fanatisme ou d'intégrisme religieux. Boko Haram, c'est à la fois sur le Cameroun, sur le Nigeria, sur le Tchad. C'est sur le Mali aussi, puisqu'ils ont envoyé un contingent là-bas. Vous pensez que les Chebabs de Somalie ne sont qu'en Somalie? Vous trompez. Ils sont en train d'aller insidieusement partout. Mais je ne m'étendrai pas là-dessus parce que le débat est souvent faussé. Comme si tout cela était comporté par l'islam. Le pire ennemi de l'islam, c'est l'islamisme. Le pire ennemi de l'islam, c'est l'intégrisme religieux. L'islam en a souffert depuis la naissance même. Les califes qu'on appelle les califes les plus guidés, les mieux guidés, c'est une Aboubakar Sidik, c'est une Ouman, Batman et Ali. Ce sont les quatre les plus guidés, les califes. Le seul qui soit mort de sa mort naturelle, c'est Aboubakar. Tous les autres ont été assassinés. Pas les fanatiques. Des pays islamisés, la Tunisie vient de vivre le mieux que le cas de la Tunisie. C'est un pays à la majorité musulmane. C'est cette dimension que les gens doivent comprendre. Tout fanatisme est dangereux. Dangereux pour l'humanité. Mais en collant ça à une religion, on se trompe parce que les religions monothéistes sont des religions fondamentalement tolérantes. Ce n'est pas la peine que je rentre dans ce détail parce que je peux passer 30 minutes à vous citer toutes les tolérances que l'islam a eu à conseiller. Par le comportement du prophète Mohammed lui-même, beaucoup ne savent pas que la première prière, les premiers services de catholiques, quand ils sont venus à Médine, après que Makka est tombée, puisque le prophète a envoyé des messages partout, ceux qui sont venus du Yémen, les chrétiens qui sont venus, qu'il a reçus à Médine, ils ont fait exprès, ils sont venus dans notre lieu de parade. L'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Vous n'êtes pas l'église ici. Le prophète a dit, allez prier dans la mosquée. Il les a envoyés prier dans la mosquée. La mosquée ne coupe pas. Il n'y a pas plus de tolérance que ça. C'est un défi pour nous tous que de gagner cette bataille contre les fondamentalistes. Les autres défis, quand on va même au cœur de l'intégration, vous avez l'aspect économique. Un autre défi, c'est incorporer le commerce informel qui n'est pas saisi. Tous les chiffres qu'on vous donne sur l'échange entre les pays au sein d'une communauté sont faussés. Parce que personne ne sait la dimension du commerce informel, qui n'est enregistré nulle part. Et ce n'est pas enregistré par la peur de l'impôt. Si quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires de 100 millions, l'impôt doit lui prendre 60 millions, il ne va pas déclarer. Les braves dames, je les ai vus le long des frontières entre le Sénégal je veux dire le Nigeria jusqu'au Sénégal, à chaque frontière de commerce. Mais elles ne sont enregistrées nulle part. Comment faire la saisie de ce commerce informel? Il est probablement accepté que nos pays, à l'intérieur de la même organisation, n'ont pas plus de 10% d'échanges entre eux. Donc 90% avec l'extérieur. C'est anachronique.
Mais quand on ajoutera le commerce informel, on se rendra compte que c'est beaucoup plus. Ces commerçants-là n'ont pas besoin de passeport, n'ont pas besoin. Ils traversent les frontières chaque jour. Frontières connues, frontières non connues. Chaque jour. C'est un défi à relever. Mais si on suit donc les technocrates de l'intégration, et j'en ferai partie d'eux, il faut définir les critères de convergence. Il y a la deuxième zone monétaire que la CEDEAO a lancée. Et j'avoue que je suis celui qui l'a initiée parce que j'avais peur que le programme commun entre les pays non membres de l'UEMOA et les pays de l'UEMOA, il y avait un complexe qui se développait. Les premiers étaient organisés déjà, ils avaient une monnaie unique. Les autres n'en ont pas. J'ai trouvé que tous les programmes de la CEDEAO en matière monétaire était voué à l'échec à cause de l'esprit de supériorité du groupe réuni autour du CFA qui s'appelait l'UEMOA par rapport aux autres. C'est là que la deuxième zone monétaire est née. Cette deuxième zone monétaire est basée sur des critères de convergence. Vous ne pouvez pas aller comme ça à une monnaie sans que vous mettiez de l'ordre dans vos affaires. Il y a les critères primaires et les critères secondaires. Critère premier, c'est quoi? On dit au pays, les taux d'inflation dans chaque pays doivent être inférieurs ou égaux à 5%. Ça, c'est là où moi je suis allé loin parce que j'avais dit toi, c'est le Nigeria qui a insisté parce que son économie était très mal en point pour qu'on aille jusqu'à 5%. C'est le premier critère. Taux d'inflation ne doit pas dépasser 5%. Le déficit budgétaire par rapport au produit intérieur brut ne doit pas dépasser 4%. Deuxième critère. Il faut qu'elle soit acquise pour toujours, en tout cas pour un temps assez long.
Les fluctuations, il y en aura toujours. Je peux continuer vraiment à vous dire tous les défis, mais vous comprenez déjà les défis qui sont généraux et les défis qui sont particuliers à chaque organisation. Si on réussit déjà la stabilité, on réussit la paix, ce qui conditionne tout développement, tout le reste qui est technique, on pourrait le réussir aussi. Où vous vous situez par rapport à tout ça? Je le dis et je le répète. Vous faites partie des chances de ce continent. Je le dis souvent, quand on me demande, mais dans quel domaine on a entendu le fossé entre nous et les pays du Nord? J'ai dit dans le domaine du football. Du sport de façon générale. C'était, je crois, en 1978, si j'ai bonne mémoire, que la Yougoslavie a battu le Zaïre 9 buts à 0 à la Coupe du Monde. Oui. 9 buts. Tous les Africains avaient battu. On avait réuni tous ceux qui avaient comme marabouts, des trucs, des féticheurs depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique. On dit, il faut que, d'ailleurs, le Zaïre connaît beaucoup de féticheurs. Cette fois-ci, on va gagner. Les défis ont été lancés partout. Et marabouts et féticheurs ont donné le diagnostic. Le résultat est. Mais est-ce qu'aujourd'hui, honnêtement, un pays africain peut se faire ridiculiser à ce point par un pays du Nord? Non. Parce que simplement, nous jouons avec leur instinct naturel de bon footballeur, sans le réalisme de la gestion de match, sont venus en Europe. Ils sont venus en Europe, comme vous apprenez ici aujourd'hui. Et depuis lors, les clubs européens qui seraient sans Africains, ce seraient des clubs qui seront, qui tireront le cheval par la queue quand ils sont un cheval, justement. Mais le même phénomène entre l'Europe et les États-Unis. Une association fait dans le National Association Basketball. Cette fameuse NBA, on savait que les Européens, il n'y avait pas marché le Dream Team américain. C'était un complexe pour les Européens. Mais ils ont compris, ils ont commencé à envoyer les Noirs, les je ne sais pas qui, Tony Parker. Ils ont commencé à envoyer, même les Chinois ont envoyé, ils font du show à l'Américain. Et aujourd'hui, les Américains ne les battent pas d'abord. C'est vous dire que la source de la renaissance que vous prenez à l'extérieur doit servir à l'intérieur du pays. Mais comment faire? Vous finissez ici, vous rentrez. Votre sécurité financière n'est pas garantie. Votre sécurité physique n'est pas garantie. Tout ce que vous avez ici, confort n'est pas garanti. Certains iront, mais retourneront. D'autres ne penseront même pas y aller. Peut-être faut-il faire comme les footballeurs, ils jouent dans les clubs, ils restent là. Quand c'est le trou de l'Afrique, il y a le trou. Il faut trouver en tout cas une voie pour nous en sortir de tout cela. Il y a, à mon ami, beaucoup de défis à relever, mais je suis limité par le temps, encore que je suis en partie fautif. Mais les organisateurs sont tout autant. Ils auraient dû me dire que je n'allais pas prendre 30 minutes, que ça allait être 2 heures. J'allais quitter 2 heures. Je termine là, en écoutant, en étant disposé
Merci à notre conférencier pour cette excellente prestation. Ça a été plus que ça, ça a été les conseils que vous avez pu vous donner à moi. Et nous n'avons pas assez de temps pour que beaucoup de personnes puissent poser des questions à notre conférencier. Et avant de prendre deux personnes parmi vous, le caméraman. Je vais passer la parole au général Romolet, si toutefois il a quelque chose à ajouter. Honorable Président, Mesdames et Messieurs, chers étudiants et étudiantes, je voudrais dire un mot concernant ma présence ici à côté du Premier ministre, pour dire justement que les relations en tout cas culturelles entre les Comores et la Guinée ne datent pas de ce jour. Je dois rappeler que tout de suite après l'indépendance de Montpellier-les-Comores, la Guinée a été parmi les tout premiers pays qui nous ont apporté leur aide, surtout dans le cadre de l'enseignement. Moi-même, en classe de 6e, j'ai dû avoir deux ou trois professeurs guinéens. Je pense que c'est ici, même si je ne le dis pas officiel, moi, mais je pense que c'est ici l'occasion de dire à M. le Premier ministre toute la gratitude que nous gardons pour votre pays. Pour le reste, il a dit qu'il a, il y a des généraux qui ont du cœur. C'est donc avec la main sur le cœur que je voudrais dire que nous venons d'assister à une intervention d'une rare clarté, d'une rare intelligence d'encore, qui montre pourquoi la Guinée a une longueur d'avance jusqu'à être à côté de pays comme les Comores. En tout état de cause, la balle revient à vous, étudiants, comme il l'a dit. D'abord pour poser des questions, ensuite pour assimiler ce qui a été dit ici, pour que vous puissiez l'appliquer pour votre pays et certainement pour l'Afrique, pour que le thème d'aujourd'hui qui est l'intégration de l'Afrique aille plus en avant encore. Voilà les quelques mots que j'avais à dire. Je suis l'un des fervents défenseurs des institutions régionales et sous-régionales, que je suis très souvent. C'est un plaisir pour moi d'avoir en face quelqu'un qui connaît ses rouages. Parlant de l'intégration africaine, que pensez-vous de toutes ces institutions, leur avancée? Est-ce que concernant la Cour de justice de la CEDEAO, l'espoir que je place en cette institution est un espoir un peu exagéré, parce que je vois que concernant sa saisine et les décisions que cette institution rend, me semble être sur la bonne voie, sauf que les Guinéens ne s'y intéressent absolument pas. Il a fallu que l'institution se transporte en Guinée pour aller nous dire l'année dernière que nous avons aussi le droit de les saisir. Est-ce que vraiment l'espoir que cette institution suscite à mon niveau est justifié? Deuxièmement, vous savez très bien que quand on regarde la charte de l'OIA et de l'Union africaine, les objectifs prioritaires ont changé. L'OIA, c'était l'indépendance de nos pays. Mais je pense que l'Union africaine axe fortement sur la bonne gouvernance, la démocratie et la protection des droits de l'homme. Monsieur le Premier ministre, il nous a fallu plus de 30 ans, près de 40 ans pour libérer toute l'Afrique. Est-ce qu'il nous faudra encore plus de 30 ou 40 ans pour réaliser l'Union africaine? Vu que j'ai fait un peu le Maghreb, je pense qu'en commençant par le haut, j'ai peur qu'on ait des problèmes, parce qu'il y a quand même 6, en tout cas la démocratie vient d'en bas, il n'y aura pas, il y a pas mal de travail à faire pour que ça puisse tenir. Je vous remercie.
un cœur. Parce que, élu secrétaire exécutif de la CDO en 1997, j'ai trouvé que depuis 1975, les institutions n'étaient pas complétées. Il n'y avait ni cour de justice, il n'y avait ni parlement de la CDAO, il y avait beaucoup de petites institutions aussi qui étaient comme ça et qui n'étaient pas réglées. J'avais fait pour moi-même un défi. Lorsque j'ai parlé de cour de justice au sommet des chefs d'État, ils étaient sceptiques parce qu'ils ont dit que ça va d'abord accroître le budget, nos contributions. Je leur ai répondu qu'on n'avait plus de contributions à faire puisqu'on a adopté le prélèvement communautaire. Ça ne vient pas que pour le secrétaire. Ce prélèvement communautaire est immense, 0,50% de près de 250 millions d'habitants. À l'époque, en prenant rien que les consommateurs qui importent, arrêtons-nous à 150 millions, c'était beaucoup. Je leur ai dit que ce n'est pas pour le budget du secrétariat, c'est pour accomplir tous les programmes de la CDR. Mais les pays tels que le Nigeria, quand ils ont commencé effectivement à appliquer, à collecter les 0,50%, le montant était astronomique. Et je me rappelle encore le président qui m'appelle, le Nigeria, qui me dit, mais nous, on ne peut pas avoir ça égrossé, ça à la CDAO. Je dis, mais ça ne vient pas de vous. Bref, c'est dans ce climat que la Cour de justice est née. À Bamako, j'étais là. Choix judicieux. C'est probablement l'orientation qui a été donnée ce jour-là qui nous donne l'espoir aujourd'hui. Parce que nous le ramenons. Le président Kamaré était président d'exercice et moi j'étais secrétaire exécutif. Un, dans les statuts, vous n'êtes pas la Cour de justice des États. Vous êtes la Cour de justice de toute entité, jusqu'aux citoyens qui vous contactent. Vous êtes élu pour telle normalité. Personne ne peut vous enlever. Garantie. Soyez courageux. La question du siège s'est posée. On a décidé que ce soit le Nigeria. On l'a accepté. Mais cette cour a fait des œuvres extraordinaires. Beaucoup oublient que la jeune femme qui a été bastonnée dans l'état de Kano, Kaduna, la Cour de justice de la CDAO a rendu sa justice en lui donnant raison et en demandant à l'État de l'indemniser. Tout dernièrement, je ne veux pas citer le nom du président qui a eu des problèmes avec un des proches, le proche arrêté. La Cour de justice a été saisie de la CDAO. Elle a statué et elle a dit au président, vous avez tort. Indemniser. C'est une cour qui est à la disposition des citoyens de la CDAO. Mais cela n'est pas voulu. L'un de mes derniers actes, quand j'étais à la CDAO, c'était de venir, et c'était un début pour moi, parce que je voulais que ça se perpétue. C'était au Bénin, pour parler avec le peuple béninois. La réunion, c'est le plus grand que j'ai jamais tenu. On a commencé à 8h du matin pour finir à 22h. On m'a posé 345 questions. Pour que la CDAO marche, pour que ces institutions marchent, il faut parler avec la population, qu'ils savent. Un secrétaire exécutif qui n'accepterait pas de faire le pardon, tu vas échouer. Parce que quand les décisions sont prises, il y a deux effets. Premièrement, nos patrons qui viennent nous signer, après ils oublient. Avant nous-mêmes, la tête de l'État, je peux vous donner des exemples. La limitation de la prolifération des armes. Je les ai convaincus de statuer pour créer une convention
faire un moratoire au moins sur l'importation, l'exportation, la fabrication des armes. C'est une des raisons pour tous les chefs d'État sont venus, parce que c'était médiatisé de fond. Et ils ont tous signé dans l'enthousiasme. Mais après, moi j'ai pris cette signature. Je suis allé en Autriche, où il y a le groupe de l'ASNA, qui est le groupe des pays producteurs de ces armes, pour leur dire, monsieur, je suis venu déposer la convention, enfin, le moratoire signé par les pays de l'Afrique de l'Ouest, au sein de la CEDEAO. Quiconque outrepasse ça et vous saisit, parce que la dame, il était dit, un pays qui veut importer sa base d'abord à la CEDEAO, le secrétaire exécutif informe tous les États membres si, au terme d'un mois, deux mois, il n'y a pas d'objection, alors le pays peut importer. Mais s'il y a une seule objection, il faut travailler d'abord pour que l'objection soit levée. Voilà ce qui était dit. Mais il ne pouvait pas s'attendre à ce que je déposasse ce document au groupe de voisins. Un jour, j'étais dans mon bureau, mon téléphone sonne. C'est un président qui était encore un de mes meilleurs soutiens. Qu'y a-t-il ? Je dis. Il paraît qu'on ne peut plus importer ça sans autorisation. On ne peut plus importer d'armes sans autorisation. Je dis, non, c'est pas ça. Vous avez signé ? Qui, moi ? J'ai signé que tu dois m'autoriser. C'est pas ça. Je vais expliquer. Alors, moi, j'ai pas signé ça. Les autres viendront, si vous réussissez. Donc,
Il faut être pragmatique. Les pays qui sont venus s'ajouter aux États-Unis après la guerre de sécession, ce sont les pays qui ont trouvé que ça marchait. Et même quand ça marche, quand un jour ça ne marche plus, il y a des pays qui vont partir. Vous savez qu'aujourd'hui, l'hésitation vis-à-vis de l'Europe, ce n'est pas l'Islande qui voulait intégrer tous les membres du monde. Et qui finalement, il y a quelques jours, il y a quelques jours, ça va. La Grèce, au Sénat. Quand ça réussit, les autres viennent. Quand ça ne réussit pas, ceux qui sont là-bas partent. Donc, c'est ce que je peux dire. Ça peut durer 15 ans si on veut. Ça peut durer 10 ans si on veut. Mais il ne faut pas voir tout le continent. Ceux qui veulent, dans un premier temps, c'est cette pédagogie qui nous manque souvent. Parce qu'on est globaliste. Ceux qui veulent n'ont qu'à commencer. Dans la bonne foi, dans la sincérité. Et vous verrez que ça marche. Merci. Malheureusement, le temps qui nous est accordé vient de s'épuiser parce que c'est à 47 de vous récupérer la salle. On a peur de ne pas de munitions et se faire interrompre pendant la seconde minute que le conférencier. Merci beaucoup. Et avant de poser ma question, je souhaiterais vous remercier pour cette intervention parce qu'elle nous a permis à titre personnel. D'avoir une idée bien précise sur l'architecture institutionnelle de tout ce qui est intégration sous-régionale. Et c'est une intégration par le bas. Comme vous l'avez souligné, je prends vos mots. Et l'intégration de l'Afrique par le bas, vous montrez très bien qu'il y a tellement d'incohérences. Et ma question concerne beaucoup plus l'intégration par le haut. Et au-delà donc des mécanismes de convergence politique et économique, il y a aussi la question de la sécurité. Et sur cette question, on se rend compte aujourd'hui que Boko Haram est en train de menacer la sécurité de toute une région, le Cameroun. Et moi, je suis gabonais et j'ai bien peur quand même qu'à un moment donné, on arrive à une destruction de ce système-là, de la stabilité qu'on connaît justement du Gabon. Il y a aussi récemment les attentats au niveau de Garissa. Et ma question est celle de savoir pourquoi est-ce que l'Afrique, l'Union africaine, depuis sa mise en œuvre, n'arrive pas à mettre en place un système de défense et une armée cohérente, capable de répondre justement aux exigences de sécurité à l'échelle africaine. Deuxième question concerne beaucoup plus la CDAO. Vous avez souligné à juste titre qu'il y a quand même des rapports de force, si je puis l'exprimer ainsi, entre le Nigeria, grande puissance économique, démographique aussi, et l'UOMOA. Et ça pose quand même un problème au niveau de la cohérence de la politique d'intégration en Afrique de l'Ouest. Et ma question serait celle de savoir est-ce que cet antagonisme, qui reste quand même un rapport de force très puissant, ne peut pas poser de problème au niveau de l'efficacité de la politique d'intégration qui a été définie depuis toujours. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord la première question de l'intégration par le haut. Pourquoi l'absence de mécanisme? Mon frère, c'est une question qui se pose depuis 40 ans. Moi, j'ai assisté en tant que jeune fonctionnaire à des réunions de la CDAO, donc je veux dire de l'OUA, où on parlait déjà de la formation d'une armée africaine. Ce n'est pas donc la perception qui a manqué. Mais comme dans chacun
de nos décisions qu'on perçoit. On fait les études. Mais passer à la pratique devient difficile. La compétition entre les pays, c'est normal. En Europe, où vous vivez, vous savez bien. Entre quel pays il y a compétition, il y a émulation, il y a un antagonisme. Mais qu'est-ce que j'ai constaté à la CEDEAO? L'avantage que j'ai eu, c'est d'avoir fait les Nations Unies. La CEDEAO, très tôt, s'est engagée dans la création de l'économie. C'était sa force. Une force d'intervention comprenait à chaque occasion tel pays en voie tel contingent, tel pays en voie tel contingent. Les chefs d'état-major se réunissent pour définir le concept d'opération. Et une fois que le concept d'opération est défini, la contribution est appelée des pays en voie des contingents. J'ai dit qu'il faut dépasser ce cap. D'abord, les équipements étaient toujours les équipements qu'on donnait à nous de faire face aux armes, aux pays occidentaux de nous aider avec le matériel. En Sénégal, par exemple, c'est le cas que je connais très bien, tous les équipements qu'on a eus avec beaucoup de difficultés de l'Europe. Après la mission, les pays qui Ouest-Africains qui ont participé à cette opération se sont repartis, ont voulu, parce que le Libéria déjà, j'étais pas là, mais se sont repartis. Chaque fois qu'une opération finit, tout ce qui est donné comme matériel, ceux qui interviennent se repartissent. On ne sait pas qu'aux Nations Unies, on voit partout, United Nations, c'est marqué sur les véhicules dans les missions de maintien de la paix.
directives de son président pour nous dire quels contingents ils sont à même de mettre à la disposition de la société. Bonne nouvelle. Ce jour, à Dakar, on a réuni, puisque chacun avait demandé à son chef d'État, on a abouti à 12 bataillons élargis, c'est-à-dire 12 bataillons de 750 hommes chacun. Le Nigeria seul en a donné 5 et les autres. Chacun, selon sa faculté contributive. Voilà un début. J'ai demandé qu'il soit connu de nous. Parce que, un des problèmes qui arrivent dans les médecins de la paix, les troupes qui viennent de Fatou ne sont pas nombreuses. Même le fait de ne pas reconnaître ces gens est handicapant. Bon, bref, c'est pour vous dire que le mécanisme peut être mis en place. Mais il faut de la volonté. Tout ce qui a été fait, la prévention, c'est d'abord venir de la CDA. Ça, je vous le dis, on est venu en Afrique, c'est venu de la CDA. Nous avons appelé le conseil de médiation et de paix, nous avons appelé le conseil de sécurité et de paix. Qu'on a rien à jouer là parce qu'il a quitté la CDA, il est parti à l'Union africaine. Ça devenait facile. C'était un mieux. Mais, comme je le dis, tout dépend de la volonté. Les problèmes, on peut les connaître. C'est pourquoi ça tarde. Ces interventions sont difficiles. Cela ne veut pas dire qu'il y en a pas. L'Union africaine, les troupes sont intervenues en Somalie. On a eu la moyenne d'être comme ça. Mais ce n'est pas suffisant. On peut aller beaucoup plus loin. En fait, c'est ce que je voulais dire. Je veux que le général complète et les spécialistes en la matière. Mais en tout cas, je sais qu'on a du chemin à faire pour créer une véritable armée africaine. Le débat a commencé il y a de cela maintenant 40 ans. Alors, vous me posez une question difficile, mais je commencerai par le niveau africain pour venir au niveau national, bien sûr. Une armée africaine, l'Union africaine a fait son choix. Et ce choix entre dans le cadre de ce qu'on appelle, dans le cadre des institutions de l'Union africaine, la structure de paix et de sécurité de l'Union africaine. Une structure de paix qui a prévu ce qu'on appelle les brigades en attente. Monsieur le Premier ministre a parlé des régions économiques régionales. Ces brigades en attente sont calquées sur les régions économiques, ou plutôt les structures économiques régionales. Il y a la brigade de l'Afrique de l'Est pour l'Est. Il y a la brigade de la SADEC pour les armées. Les armées se trouvent justement devant un défi très difficile parce qu'avant, elles étaient là pour défendre la sécurité, les frontières des États. Maintenant, elles ont affaire à une nouvelle menace et qui est surtout le terrorisme. Et le problème du terrorisme, c'est que c'est une menace qui peut être partout, en même temps et à la fois. On l'a bien dit, ça peut être au Tchad, ça peut être au Cameroun, etc., etc. Et donc, c'est compliqué parce que dans le cadre de ces nouvelles menaces, en l'occurrence le terrorisme, la réponse sécuritaire ne sera jamais suffisante. Il faut aller jusqu'à ce que les anglicisants appellent de manière générale les causes profondes du conflit. Devant Boko Haram, devant les Al-Shabaab, il ne suffit pas de dire qu'on envoie l'armée et ça réglera tous les problèmes. C'est impossible. L'armée peut-être sera utilisée pour que les différentes factions ou composantes acceptent de venir autour d'une table de négociation, mais c'est là qu'il faut régler le problème, qui sont des problèmes politiques, qui sont des problèmes économiques, etc., etc. D'où la difficulté de nos armées d'aujourd'hui face à cette nouvelle menace. Je crois avoir répondu très brièvement à votre question. Pour deux questions, je réponds à la question de savoir à quoi servent les armées africaines. Je dirais plutôt ce que vous venez de dire un jour. Ceux qui pensent qu'elles ne servent à rien n'ont qu'à se passer d'armée et devant ceux qui viennent de ça sert à quelque chose. Au cours de l'excellence,
trouvaient le best qu'ils avaient fait, le mieux peut être encore amélioré. Donc, c'est cette question-là que je pose. On est passé par les périodes de coup d'État, où c'était le même connaître le coup d'État par la main. Alors, je crois que la situation change, mais ce sont des défis qui changent aussi, et il faut véritablement s'adapter. La CDAO est pour moi la question qui s'est posée. Non, ça ne s'est pas posé entre le Nigeria qui a posé la question. Le Nigérian, ce n'était pas précisément le Nigérian. C'était que les pays qui étaient au sein de l'Europe et ceux de la CDAO avaient un problème commun. Il y avait la PAO, l'Agence monétaire de l'Ouest, qui était, dont la base était à le CGT à Fitton, avant de venir à Tunis en cours de guerre et retourner encore à Fitton. Mais la CDAO s'est lancée dans des problèmes qui ne marchaient pas en matière d'intégration monétaire. Ils ont conçu notamment le chèque de voyage, le fameux travel chèque. Quand j'ai arrivé, j'ai finalisé et on a décidé de lancer. C'est ce jour que j'ai compris qu'il faut avoir une autre approche. On est allé à Dakar, où ça devait être lancé. Mais je vous assure, le directeur général, le gouverneur de la BCE n'était pas là, alors que celui qui était rote. Le président du Sénégal n'était pas là. Les autres ministres de l'économie et des finances étaient là, des autres pays. Mais eux qui recevaient, il n'y a que un directeur de cabinet qui venait pour ouvrir ce sommet, cette rencontre. Ce que j'ai refusé, bien sûr. J'ai senti le complexe qu'ils avaient de s'associer à des gens qui n'avaient pas la discipline de gérer une monnaie par contre. Et c'est là que j'ai proposé la deuxième zone monétaire. C'était risqué aussi. Parce que ça pouvait faire éclater. Mais c'est pas mal. Je dis non, vous me laissez faire. En ce moment, l'Union européenne misait sur le pays pour les faire envoyer dans la zone purement. C'était le Ghana et la Guinée. Le Ghana n'était pas loin, ça je vous le dis, honnêtement. Parce que le Ghana avait pensé à l'Assemblée. Le président Monté, je lui ai posé la question. Est-ce que vous êtes prêt à aller au bout? Et puis ça sera sur mon canal. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et j'ai fait chapeauter par la BCAO, la deuxième zone monétaire, Z-Man. Le siège a été choisi. Les critères de convergence définis. C'était ce complexe-là. Mais entre pays, c'est normal. Vous pensez qu'il n'y a pas de cette émulation entre la France et l'Angleterre dans l'Union européenne? Entre les pays candidats, enfin ceux qui sont membres déjà et les autres, il y a toujours, il faut faire avec. Et d'ailleurs, c'est un stimulant. Même les pays fédérés déjà, tels que les États-Unis, vous avez la compétition entre la Californie, la Floride, entre ces États-là qui sont jusqu'à présent, parce que l'État qui a la meilleure économie, c'est là où les gens viennent. Les Américains changent d'État à cause de ceux qui gagnent. Si dans le cas de New York ça va, ils trouveront aucun mal à aller s'installer là où ça va. Et ce sera la flexibilité. Le Nigeria et les pays francophones, ça a commencé depuis la guerre du Biafra. Parce qu'il faut reconnaître que les pays francophones soutenaient le Biafra, à commencer par la France. Ça a laissé des traces. Mais une trace peut-être positive aussi. Les 36 États de la Fédération du Nigeria, ce que j'ai constaté là-bas comme la chose la plus réelle, aucun Nigérian ne pense même une seconde que ce qui s'est passé avec le Biafra se repassera à nous. Ça, c'est fini. Ils ont vécu. Souvent, les épreuves vous amènent à la réalité. Ils ont vécu ça. Plus jamais. C'est le normal de tous les Ivoiriens, de tous les Nigériens. Et j'espère que cela va continuer. Donc, le Nigeria, dès le début, a eu une superficie grande entre anciens pays coloniaux et avec la compétition. Même au moment de la division de l'Europe, vous pensez que ça, c'était pas aussi facile?
entre la Côte-de-Ghana, nous, chez nous, en Guinée, les îles de l'Os, c'était d'abord portugais. C'est pourquoi on l'appelle l'île de l'Os. Baptisé comme ça parce qu'il y avait des animistes et les portugais ont appelé l'île de l'Os, c'est-à-dire les îles des fétiches. Les portugais vont passer aux Anglais. Dans cette partie de la Guinée, ce que vous trouvez sont le sol du Nigeria, qui appartient à l'armée royale britannique. Vous trouverez que des noms Thomas, des noms Edouard, c'est toujours bon dans la région. Mais en tout cas, la petite Gambie dans le Sénégal a posé problème. Entre la France et la Grande-Bretagne, les Anglais ont tenu à ce que les Français ont voulu d'abord prendre la Gambie pour faire un ensemble harmonisé avec le Sénégal. Les Anglais n'ont pas voulu. Par contre, ils ont demandé aux Français vos comptoirs qui sont sur la côte des matériels. On peut vous donner ce que vous voulez. Et puis ce les Anglais, les Français n'avaient pas besoin d'unification entre les îles de l'Os et la Guinée. Ils ont demandé. Les îles de l'Os de la Guinée ont été échangées contre les comptoirs français de Gambie. Donc, ces compétitions-là, ça date d'avant. Donc, ceux qui en sont issus peuvent garder le même esprit. Vous voyez, cela ne doit pas nous déranger. Et il n'y a pas de route royale qui mène à l'intégration. Seuls arriveront à son sommet lumineux, ceux qui ne craignent pas de se blesser sur le chemin et d'affronter des difficultés. C'est là que je finis, en demandant que vous, étudiants, vous ne craignez pas de vous blesser en faisant le parcours pour faire ce que nous n'avons pas réussi. Je vous remercie. La journée est pas la journée, parce que nous sommes